et bienvenue dans mon garage. Donc aujourd'hui on continue un petit peu sur la Catera Pomme. Alors j'ai avancé un petit peu sur cette voiture, j'ai reçu les éléments de carrosserie, je vais vous faire voir, comme ça vous allez pouvoir mieux vous rendre compte de l'aspect final de la voiture. Je cherchais les mots, excusez-moi. Allez, alors, donc dans cette construction au niveau carrosserie, il n'y a que trois éléments. Alors il y a le nose cone, le nez de la voiture, le capot et le scuttle, donc la partie tableau de bord qui est en fibre de verre. Alors ce sont des pièces qui sont quand même relativement légères, donc qui vont contribuer au fait que la voiture ne sera pas très lourde, contrairement au scuttle qui est fabriqué sur le lit de Chris Gibbs, où lui il est quand même relativement lourd puisqu'il est tout en acier et tout. Donc là on est sur une pièce qui doit peser, je sais pas moi, 1 kg, 1,5 kg, voire 2 kg en tout cas. Allez, on jette un petit coup d'œil. Hop là. Alors voilà, voilà le scuttle ici, donc qui est en fibre. Il tient uniquement avec deux boulons, c'est amplement suffisant. On voit ici, et on voit là, et puis là, ben vous voyez, ça bouge pas. Voilà, donc voilà la colonne de direction. Ici, on a le nose cone. Nose cone, excusez-moi de ma prononciation en anglais. Voilà. Donc il tient avec trois vis, hein. Donc il y en a une en dessous, qui est là, et une de chaque côté, qui se trouve ici. Alors je n'ai pas cherché à faire des fixations invisibles, hein. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Mon but est de faire des fixations faciles à lever, parce que quand c'est invisible, c'est souvent chiant à enlever. Quand vous êtes obligé d'intervenir sur un circuit, d'ouvrir le truc pour régler les amorteaux ou autre, vous n'avez pas mis d'y passer 3 heures, quoi. Voilà, donc voilà le. J'ai soudé deux pattes avec un écrou dessus et ça vient se boulonner dessus. Et au niveau solidité, voilà, ça bouge pas. Pas d'un millimètre. Donc voilà l'aspect final. Voilà. Une fois terminé, sur un bon rendu. Bon, le capot lui sera en alu, donc je le ferai plus tard. Alors honnêtement, en carrosserie, je suis loin d'être le meilleur. Et le capot, c'est vraiment un truc chiant à faire. Sur les versions précédentes, je m'y suis repris à 2 ou 3 fois. Et franchement, j'ai galéré pour arriver à un truc minable. Alors j'espère que ce coup-là, ça se passera mieux. Donc ici, sur les flancs de la voiture, tout restera ouvert. Sauf sur cette partie-là, où je serai fermé ici avec un petit déflecteur là. Alors pourquoi ? Ceux qui ont vu des vidéos d'Ariel Atom, vous apercevez que les propriétaires, à un moment donné, ils montent ici. Alors au début, Ariel Atom, ils montaient des panneaux carbone qui tenaient à des résistances, c'était minable quoi. Et puis maintenant, ils font des trucs beaucoup plus propres avec des panneaux transparents et tout. Pourquoi ? Parce que l'entrée d'air en latéral, c'est rigolo un petit moment, mais après, ça commence à être beaucoup moins rigolo. Et puis surtout, ça nuit à l'aérodynamique de la voiture. C'est-à-dire que l'air qui circule à l'intérieur provoque des décrochages intempestifs puisqu'il a tendance à empêcher la voiture de mieux adhérer. Donc en mettant juste deux déflecteurs ici, ça va empêcher toute cette partie-là de se remplir d'air. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait le levier de vitesse, donc qui est le montage à blanc. Alors le levier, il est fabrication maison intégrale. Donc ici, il y a cette pièce qui est fixé entre ces deux rotules que j'ai fabriquées, qui permet le mouvement latéral. Ok, voilà. Alors sur le montage Renault, il y a dans la tringlerie de boîte à vitesse, il n'y a qu'une seule tringle. Voilà, chez certains constructeurs il y en a deux, une pour donner la montée et descente de la biellette et une pour la faire avancer et reculer. Donc ici ça fait tout. Alors là, le moteur n'est pas en route, donc bien sûr, quand on passe les vitesses, il faut attendre que les pignons s'alignent, sinon on en chie un peu. Donc voilà, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et théoriquement, la marche arrière, donc vous voyez, ça ne tombe pas, donc c'est un peu plus dur à passer. Voilà. Donc voilà le passage, il me reste à fixer tout ça, à boulonner tout ça comme il faut, bien sûr, hein, voilà.
Je vais vous faire voir par en dessous ce que ça donne. Je vais poser la caméra par terre. J'espère qu'elle va filmer au bon endroit. Hop. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et marche arrière. Voilà, retour au point mort. Voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à fignoler le levier ici, à lui faire un joli habillage. Il est un petit peu long volontairement. Alors, ceux qui pensent qu'un levier court, c'est mieux, eh bien, ça n'est pas mieux du tout. Hein, notamment quand vous êtes sur un circuit. Sur un circuit, ce qui est important, c'est que la vitesse rentre du premier coup. Il ne s'agit pas de forcer. Au plus votre levier est court, au plus vous forcez, c'est ce qu'on appelle les short shift. Hein, alors ça se montre d'origine sur beaucoup de voitures, comme les Subaru, tout ça, blablabla, on en trouve beaucoup de marques. Mais bon, c'est fait par des constructeurs, pour des voitures de constructeurs. Donc moi, il est mieux adapté en mettant le levier plus long. Lorsque vous levez la main du volant pour passer votre rapport, le levier tombe directement sous la main. C'est ce qui est important. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps. L'esthétique est, on va dire, presque sans importance dans la performance. Elle joue quand même, bien sûr. C'est plus agréable d'avoir quelque chose de joli, mais bon. Voilà. Donc voilà, les amis, l'avancée de la Cateratome. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. La tringlerie, ben, ça se fait. Pour moi, ça reste une tringlerie provisoire malgré tout, puisque comme je vous avais dit, lorsque cette voiture sera en état de rouler et parfaitement réglée, à ce moment-là, je vais passer sur une boîte séquentielle. Donc la boîte séquentielle, il n'y a plus qu'à avancer à tirer, donc ça devient une transmission par câble quasiment. C'est même plus une transmission par biellette. Enfin, c'est surtout très avantageux au niveau du pilotage. Voilà. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, on se retrouvera au prochain numéro lorsque j'aurai le temps d'avancer un petit peu. Allez, merci à tous, bonne journée.